Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je consacre cette fois-ci à la science face à la production des ignorances et en particulier aux notions d'agnotologie et de conspirationnisme à l'ère de la post-vérité. Je m'appelle Richard-Emmanuel Istès, je suis spécialiste de la communication scientifique et des relations nature-science-technologie-société. L'objectif de cette série de vidéos consiste à comprendre les mécanismes de production de l'ignorance dans un régime de post-vérité et de forger les outils pour y faire face, sans pour autant, bien sûr, tomber dans le piège du scientisme fanatique. Six vidéos, donc, dans lesquelles je vous apporterai des concepts, mais également des outils pour lutter contre les formes agnotologiques à l'œuvre dans la relation science-société au XXIe siècle. Dans la première vidéo, Connaissance et ignorance, je définirai l'agnotologie comme l'étude de la production des ignorances. Dans la deuxième vidéo, Science et vérité, je présenterai différents régimes de production de vérité ou modes d'existence, comme les appelle le sociologue des sciences Bruno Latour. Dans la troisième vidéo, je me concentrerai sur la notion de post-vérité et essaierai de décortiquer les mécanismes par lesquels les fake news émergent dans les réseaux sociaux et dans les médias. Dans la quatrième vidéo, L'ignorance à l'assaut de la science, je me concentrerai en particulier sur les complotismes ou conspirationnismes, en montrant que certains ressorts sont communs à d'autres formes agnotologiques, comme par exemple les créationnismes. Dans la cinquième vidéo, En quête de vérité, j'aborderai enfin quelques outils destinés à lutter contre ces formes agnotologiques, et nous irons les chercher dans l'épistémologie des sciences. Dans la sixième vidéo, Au-delà de la science normale, je montrerai que, de même que la science a toujours évolué, et en particulier durant ces derniers siècles, elle continue à évoluer, ce qui nous invite à définir de nouveaux termes comme technosciences, sciences post-académiques ou sciences post-normales. Voilà pour cette vidéo d'introduction. Je vous invite à me rejoindre tout de suite dans la première vidéo de ce cycle, Connaissance et ignorance.